Isabelle, oui. Tu as vu cette photo-là? Ça, c'est devant la mairie. Oui, je vois. Oui, quand on sortait de la mairie. Mmh. Ici, c'est au cocktail. Aïe. Ton papa était fâché ou bien? Non. Regarde comment il a serré sa figure. Non. Non, il ne se portait pas bien ce jour-là. Ma copine, on peut passer à autre chose. Mais pourquoi? Je suis fatiguée de regarder tes photos tout le temps. Aïe. Mmh. Depuis qu'on est copine, ça fait la 15e fois bien compté que tu me montres tes albums photos. Donc, je suis fatiguée. Ma belle sœur, on dirait que tu n'es pas contente parce que ton grand frère m'a amené devant le maire, hein? C'est ce que tu crois? Mais qui t'a toujours défendu contre tous? C'est toi. Et qui est ton ami? C'est toi. Tu vois, non? Tu sais quoi? Oui. Si je te montre l'album tout le temps, c'est parce que je suis très contente, je suis heureuse. Ça, c'est vrai. Ça va combien d'années on est ensemble? Nos enfants sont grands. Et il y a seulement 4 ans qu'il m'a amené devant le maire. C'est pas un rêve ça, que je réalise ça. Je t'ai attrapé. Tu viens me voir, chérie? 2 secondes. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Maman, je n'arrive pas à dormir. Mais pourtant, il faut bien que tu dormes. Et pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Je veux partir de papa. Bon. Papa va venir demain. Pour l'instant, il faut que tu dormes. Atko! Oui, maman. Allez, dépêche-toi. Va te coucher. Va faire coucher ton frère. Viens, tu fais quoi ici? Lève-toi, on va aller se coucher. T'as demain. Réponds quand je te parle. Oui. Alors, je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas ça du tout. Alors là, pas du tout. Quoi? Je n'apprécie pas que tu fasses venir ma soeur chez moi à une heure aussi tardive, dans la nuit. Mais c'est ta soeur. Mais si c'est ma fête, ça fait quoi? Il fait tard? Hein? Il est quelle heure? C'est ta soeur, elle peut venir chez toi comme elle veut. Il n'est que 23h. Ah, et tu penses que 23h, il fait pas tard? Les gens dorment. Et vous êtes là, vous bavardez à tue-tête, quand même. Finalement, tu me fatigues avec... Dans demain! Voilà. Dans demain! Voilà. Ah, je m'en vais, oh! Tu ne peux pas dire à 7h de se taire un peu, quand même? Toi, ta soeur va le lui dire. Je m'en fous! Je m'en fous! Tu n'as pas besoin de soeur, ni de frère chez moi! Oh! La figure de son papa là aussi, oh! Dadema! Depuis là, vous faites quoi là-bas? Dadema! Oui! Ah, je rentre chez moi, hein! Ah, moi aussi, on m'attend là-bas! Bonjour papa. Oui. Excuse-moi, est-ce que tu vas rentrer tôt ce soir? Je ne sais pas. Je vais juste sur le chantier voir les manœuvres. Je crois que je vais rentrer un peu tôt quand même. C'est pourquoi? Non, en fait, je voulais te présenter ma petite amie, ma future femme. Ben voilà. Tiens, tiens. Oui. Ah, mais c'est bien ça. Merci papa. Je suis très heureux de te voir décider enfin d'arrêter de tourner un peu ton machine un peu partout. Non, papa. Venant de ta part, c'est un compliment qui vaut son pesant d'or, puisque je suis le fils de mon père. Allez, va là-bas. Allez, à ce soir. Oui. Papa, on veut partir avec toi aujourd'hui. Ah. D'accord, mais pas aujourd'hui, hein, ma fille. Je viens vous chercher le vendredi, comme ça, on passe le week-end ensemble. Vendredi est trop loin. Mais non, vendredi n'est pas loin. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors tu as mercredi, tu as jeudi, et puis vendredi, c'est après-demain. Hein? Comme ça, tu es là-bas vendredi, samedi, dimanche, on est ensemble. Hein? Allez. Papa, moi, je vais aller avec toi. Tu dis quoi? Moi, je vais aller avec toi. Ah, d'accord. Mon garçon, on ira à la maison, mais pas aujourd'hui. Hein? On a tout le temps. Allez. Bon, on ne veut pas, on veut rester avec toi et puis maman. Bon, ça suffit.
Allez, en chambre, allez, étudiez vos leçons. Je vais bavarder un peu avec votre mère. Allez. Alors, ma Jemmy, tu sais. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu vois que les enfants ont besoin de toi. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Mais le garçon, tout le temps, il te réclame. Jemmy, tu sais très bien que les enfants ne doivent pas s'habituer à moi. Tu le sais? Parce que tu ne reconnais pas tes enfants? C'est pas ce que je voulais dire. Tu vois? Mado. Madame. Tu mettras deux couverts. Ton tonton est là. Jemmy, tu te souviens, je t'avais prévenu. Hein? Oui. C'est toi qui as voulu que ces enfants naissent. Parce qu'en son temps, je t'avais demandé de... De me faire avorter. Et ma fille Patricia est née. Et compte tenu de ton comportement, je te demande d'arrêter. C'est toi qui m'as supplié pour qu'on continue. Ah, nous y voilà. Et donc, me punir, tu as tombé enceinte de Yano. Oui. Et là aussi, tu m'as demandé de me faire avorter. Bon, écoute, Mayeto, on ne va pas se faire des histoires pour rien. Mes enfants et moi, on a besoin de toi. On va déménager, on va aller habiter chez toi. Non, 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 non. Non. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Marie-France, Google, je vais les mettre où? Maman! Maman! Oui. J'ai traversé le pont! Quel pont? J'ai eu mon bar! Mon Dieu! J'ai eu mon bar! J'ai eu mon bac! Bravo, mon fils! Mon Dieu! Mais si ton père vivait pour voir ça! Hé, maman! Hé, Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie! Allez, viens, maman, chez lui! Maman! Félicitations! Bon, écoute, moi je. Tu t'en vas comme ça? Oui, y'a un problème? Les enfants et moi, on ne mange pas. Ah, mais c'est pas d'argent, hein? On fait comment pour vivre ici? Ah, mais dis-moi, tu travailles, non? Moi, je suis à la retraite, j'ai pas d'argent. Mayeto, pourtant tu vis comme un pacha. Ah, je vis comme un pacha. Mais oui, à la maison, là-bas, ta femme et toi, vous ne mangez pas. Si, nous mangeons. Écoute, Jimmy, tu as voulu des enfants, tu les as. Il faut les nourrir. Ah, c'était pour ça que tu... Attention, hein, il faut les nourrir. Moi, je m'en vais. Bravo, monsieur. Maman. Alors. Bonjour, maman. Comment tu vas? Ça va. Maman, oui? Papa est sorti. Je n'ai pas vu sa voiture dans le garage. Oui, il est sorti ce matin. Il est allé au chantier. Ah, ah. Ce cadeau, il est à moi? Non, non, non. Il est à papa. C'est mon mari qui lui donne. Je suis fâchée. Ah, maman. Mais je n'ai pas de cadeau. La semaine passée, j'étais ici, non? Je t'ai même offert un cadeau de sa part. Allez. Non, je plaisante. Bon, tiens, tu donnes ça à papa, d'accord? Oui. Moi, je me sauve. Allez. C'est beau, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Salut. Hé, Al. Excuse-moi. Mais il y a quoi? On a le bac, tu es triste. Oui, mais tu as le bac et moi aussi. Mais on fait quoi maintenant? Mais on attend tranquillement les orientations. C'est ce qui me fait peur. Tu sais, ils peuvent ne pas nous orienter. Ils peuvent aussi nous orienter, mais dans de différents endroits. Oh, ça, moi, je ne veux même pas y penser. Mais rassure-toi, si ça arrivait, je ne vais jamais t'abandonner. C'est vrai? Oui, tu sais, je pense beaucoup à toi, Al. Tu sais, c'est avec toi que je vais vivre. C'est avec toi que je vais faire mes enfants plus tard. C'est vrai. Ce sera ainsi. Mais pourquoi on est pessimiste même? Je suis sûr et certain qu'on sera orienté dans le même secteur. Mais et si on n'est pas orienté? Ah, si on n'est pas orienté, ça voudra dire que pour moi, les études seront finies. Hein. Ah oui, parce que tu vois la situation de la vieille. Elle ne serait pas capable de me payer des études dans une grande école. Non. Arrêtons d'être pessimistes. Hein? On sera orienté. Mayeto. Oui? Excuse-moi de revenir sur cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois, cette maison est très grande. Oui, je sais. Nos enfants sont partis. Il n'y a plus personne. Ah, ils sont chez eux. Les pleurs, les cris des enfants me manquent beaucoup. Oh, il fallait s'y attendre. Mais attention, je te l'avais déjà dit. À mon âge, je n'ai plus 20 enfants. Ah, mes rêves sont fatigués. Attends, qui te parle de faire enfant? Ah, ouais. Je veux récupérer les enfants d'Annick. Ah non, là aussi. De Jemmy, ta Jemmy.
Pas question. Lendemain. Pas question. Je t'avais déjà dit aussi qu'on ne parlera plus jamais de ses enfants. Attends, Mayeto, qu'est-ce que tu me veux finalement? Tu m'as obligé à accepter les enfants de Jamie. Le jour où tu m'as annoncé, ça a été un choc pour moi. Tu te souviens? Bon, lendemain. Redresse-toi. Si je t'ai appelé, c'est pour te dire que sans le vouloir, hein? C'est pour me dire quoi? Attends, vraiment je n'ai pas fait exprès. Ce qui m'est arrivé là, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout mais le monde. C'est quoi? Attends, tu tournes autour du pot, dis ce qu'il y a. Je te dis, attends. Ça peut même arriver à ton frère un jour, ça peut arriver à ton oncle, à ton cousin. Et puis, il va dire à sa femme. Hein, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pour te dire que j'ai fait, vraiment pas exprès, j'ai fait deux enfants dehors. Ça, je n'ai pas fait exprès. C'est même pas. C'est venu comme ça. Et tu vois. Donc. Tu as fait deux enfants dehors. Deux. Sans le vouloir, oui. Ça, non, s'il te plaît, ne me prends pas pour une imbécile. Non, on n'est pas arrivé là-bas. Non. Tu as fait deux enfants dehors. Deux, même pas un. Voilà. Ça veut dire que tu as une deuxième femme, non, c'est non, ça? Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ma femme, hein. Non, tu es ma Attends, seule femme. Attends, tu penses que je suis bête tu ou quoi? Tu es ma seule femme. Et depuis longtemps, c'est... Attends, tu as fait deux enfants, deux. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Non, demain, si je le dis maintenant, c'est parce que je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te le dire. Moi, je te le dis pour que tu acceptes. Ah, oui. Ah, que j'accepte. Ok, j'accepte. Voilà. Merci beaucoup. J'ai accepté. Voilà, merci. Bon. À condition que... Ah. À condition que... Que quoi? Toi et moi... Oui. Soyons mariés légalement. Mais pour le mariage, je t'ai jamais dit non. Mais seulement, je t'ai dit d'attendre un peu. Seulement un peu. Attendre? Un petit peu. D'accord. Tout le monde va attendre. C'est la condition sine qua non pour que tes enfants là soient acceptés par dans de moi ici. Non, faut... On se marie pour rien. Dans de moi. Arrête de calculer un peu. Depuis deux semaines, tu as su cette histoire, ça finit pas. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je te parle, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Les enfants là, tu ne peux pas les récupérer. Tu ne peux pas. Et pourquoi? Parce que leur mère ne veut pas qu'on les touche. Voilà pourquoi. Magneto, tes enfants sont mes enfants. Je les ai tous acceptés, tout de suite acceptés, quand j'ai su leur existence. Alors, il n'y a que problème. Bon. Je te dis la vérité. Les enfants là, leur mère a décidé de venir vivre ici avec eux, chez nous, ici à la maison. Voilà. Tu dis quoi? C'est ça qui est la vérité. Leur mère a décidé de venir vivre dans ma maison? Oui, c'est ça. Dans mon foyer à oui, moi? Oui. Magneto, jusque-là, je me calme, je te respecte. Mais là, vous êtes allé trop loin. Si cette briseuse de foyer et ses enfants bâtards mettent leurs pieds devant cette porte, je prends mes bagages, je te colle un procès. Colle-moi le procès et fais ce que tu veux. Je ne te permets pas de traiter mes enfants de bâtards. Ils voilà. sont bâtards bah, il faut me quitter. Toi, une colère comme ça là. Tu vois qui va te vouloir encore. Va-t'en. Magneto. Oui. Tu es sûr que cette grossesse n'est pas de toi? Oui, aussi sûr que je suis devant toi. Ce n'est pas moi. Mais elle dit que c'est toi qui as fait d'elle. Oui, ça je le sais. C'est moi qui ai fait d'elle une femme. Ça, tu le sais. Elle affirme n'avoir pas connu d'autre homme à part toi. Ça aussi, je le sais. Parce que ça faisait seulement deux mois que nous sommes ensemble. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ça, c'est vrai. Mais cet enfant est pour toi. Il faut reconnaître. Non, je ne peux pas. Non. Moi, je vais lui parler. Non. Jamie. Oui, Dandy. Moi, je vais te prendre avec moi. Parce que je suis sûre que cet enfant-là, il est de mon frère. Tanti, eh? Mes parents ne m'ont pas chassé de chez eux. Hein? Ça, je sais. Si ton frère ne veut pas s'occuper de cette grossesse-là, je peux m'en occuper toute seule. Mais moi, je veux récupérer cet enfant. Tanti, pardon. Si tu veux un enfant, il faut faire pour toi. Ça, là, c'est pour moi.
Hein? À moi. Merci, ma fille. Regarde comment elle est belle. Merci. Elle te ressemble. Oui. On dirait des jumelles. Bon, maintenant tu peux aller voir mon frère. Non. Je suis sûre que s'il la voit, il va la prendre. S'il te plaît, pardon. Pardon, il faut le faire pour moi. Pardon. Vraiment, c'est parce que tu insistes. Hein? Hmm? Je vais aller lui montrer mon enfant seulement. Tu comprends? Mais je ne peux pas lui laisser ma fille. Ah. Il n'en est pas digne. Il faut laisser tomber ça. Ah. Ça va s'arranger. Mayeto, tu vois ta fille? Elle est belle. Mayeto, prends-la un peu. Ah. Pardon. Je t'en prie, remets l'enfant à sa mère. Mais c'est ta fille. C'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille, voilà. Petit, petit. Regarde comment il est beau. Patou. Petit. Remets-moi mon enfant. Remets-moi ma fille. Mayeto. Tu es méchant. C'est ton enfant qui est là. Oh. Et toi, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu m'envoies des choses comme ça à la maison ici. T'as compris? La prochaine fois, toi, l'enfant, sa mère, je vous fous dehors. Mon enfant, je vais prendre tes enfants, tu dis non. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Madame, il y a quoi? On dirait que ça chauffe ici aujourd'hui, hein, papa? Non, c'est rien ça. On va régler ça, hein? Pas de problème. Ah tiens, tu veux me présenter... Mais je voulais te présenter ma future épouse. D'accord. Mais pas aujourd'hui. Une autre fois. Parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Ok, papa, c'est comme tu veux. À plus tard. Bonjour mon fils. Ton fils? Bon, enfin, y a quoi pour toi? Je viens voir mon neveu. Toujours tu viens voir ton neveu. Tu as rendez-vous avec lui? Oui, c'est la famille. On va faire comment? D'accord, attends, je vais voir dans mon cahier. D'accord. Ouais, mon père. Oui. Rappelle-moi ton nom. Gogo Ibe Jules, dit ancien piment. Si tu dis ça, il va savoir qui c'est. Il y a Jules, c'est mais il n'y a pas Gogo Ibe. C'est moi, c'est moi. C'est pas toi. Tu n'as pas rendez-vous ici. Ah. Allez. Allez, Yao. Bon. À ce soir. Petit patron. Oui. Au revoir. D'accord. Hein. Bonne journée. Bonjour, mon fils. Mais. Toi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir ton père et le gardien ne veut pas me laisser passer. Qui, Yao? Oui. Non, c'est pas vrai. Attends. Yao. Oui. Viens. Oui, petit patron. Yao, tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas le douanier. Si, si, je le connais. Ah, il dit, il va aller voir papa et... Oui, et j'ai dit, petit patron, regarde mes cheveux, regarde ma taille, regarde ma forme. Chaque fois qu'il arrive ici, il m'appelle son fils. Quand même, je travaille, il ne faut pas, il va m'insulter. Lui, là, il ne peut pas me mettre au monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Calme-toi, tu as raison. Hein? Douanier. Bon, oui, mon fils. C'est un peu délicat, mais bon, c'est facile à expliquer. Moi, je suis ton fils.
Je peux être ton fils. Ça, c'est vrai. Mais à aucun moment, ce mastodonte-là ne peut être voilà. ton fils. Voilà. Jamais. Même si tu le voulais, il ne peut pas être ton fils. Hein? Comment? Alors, donc arrangez-vous ben, prochainement si ce n'est pas ton fils, ok? Bon, allez. Au revoir, Doyen. Au revoir, mon fils. Hey. Faut passer. Tu as vu? J'ai dit faut rentrer. Oh. Merci, mon fils. Encore. Bonjour, Magneto. Ah, oui, assieds-toi. On t'apporte un peu d'eau? Non, merci. Je ne suis pas venu pour durer. Ah, d'accord. Nouvelle. Magneto. Oui. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Problème d'argent? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé à la maison. Ah bon? Ma femme est souffrante. J'ai la scolarité de mon fils qui n'a pas été encore assurée. Oui. J'ai ma belle-mère qui vient d'arriver avec sa fille très malade. Oui. Puis je risque même d'être vidé de la maison pour loyer impayé par mon propriétaire. C'est pour ça que je suis venu te voir pour me prêter un peu d'argent. J'ai dit. Vous, mes parents, là, quel jour vous allez comprendre? Mais c'est pas possible! Tout le temps, c'est de l'argent. Vous connaissez les familles de l'argent? Hein? Tu n'as pas d'argent. Ah! Magneto! Quand est-ce que tu vas aider un seul de tes parents? À chaque fois qu'on vient te voir, tu n'as rien. Magneto. Eli. Hein? Je n'ai rien. Je n'ai rien et je n'ai rien. D'ailleurs, je suis fatigué. Je veux me reposer. Tu as compris? Je veux me reposer. Oh! Tu me chasses? Non. Je t'ai dit que je veux me reposer, c'est différent. Eh oui, hein? Maman, hein? Bon, j'arrive, hein? Tu vas où? Je vais acheter de la ticket au marché. Tu sais, maman, j'ai beaucoup de chance. Ah bon? Je viens d'être orientée à l'université d'Abidjan. Et tu sais dans quelle faculté? Non, non. Médecine. Eh Dieu, si ton père vivait pour voir ça. C'était mon premier choix, hein. C'est ce que j'avais demandé. Mais tu sais mon fils, c'est pas une question de chance. Hein. C'est Dieu seul qu'il faut remercier. Parce qu'il connaît mes moyens, il sait que je n'en ai pas assez pour m'occuper de toi. C'est ça. J'arrive bébé. Ok, vas-y, va acheter ton attitude. J'ai fait un coup. Yano, allez viens, on passe à table. Je n'ai pas faim. Viens, viens ici. Et pourquoi tu n'as pas faim? Je veux partir de papa. Rentrons. Seigneur, comment je vais régler ce problème-là? Mais tu as vu la jeunesse là que tu as sur ma tête? Mais c'est frais ça! Qu'est-ce que ça? Je te sens un peu trop anxieux ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va. Ça va. Tu es sûr? Ça va. Déjà, moi je dis ça parce que. Tu peux te confier à moi, une soirée assez intime. Jeune homme, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Sinon, ça va. Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec maman? Oh. Écoute, fiston, il n'y a pas de bruit entre ta mère et moi. Vraiment, rien du tout. Bon ben, puisque tu ne veux pas parler, pas de problème, je considère que ça va et que tu peux gérer la situation. Mais... pour l'instant, je t'invite au cinéma. On va voir un film, ça va te détendre un peu. Pourquoi pas? Pourquoi j'aimerais bien voir un film. C'est parti, jeune homme. Allez. Fatou. Oui. À mon âge, là, je vais avoir une rivale. Oh. Une petite fille mal élevée. Elle habite dans un quartier précaire, sans éducation. Et c'est comme ça que tu dis Magneto te maltraite. Est-ce que j'ai fini? Ça me fait trop mal. Tu sais, mon fils fortuné là, Magneto n'est pas son père. Mais personne ne sait. Tout ce qu'il fait à mon fils là, quand les gens arrivent ici là, personne ne sait. Si on ne dit pas là, personne ne sait.
C'est par rapport à ça. Je dis, bon, s'il a ses enfants dehors aussi, je vais les récupérer. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu dis que Maïto te maltraite. Il ne te donne rien. Tu penses qu'il laisse tout dehors? Je ne pense pas, ma chérie. Vrai, vrai, là même. Il laisse tout dehors. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être dehors même, il ne laisse rien là-bas. Oh, ma chère, tu ne connais pas les hommes. J'ai dit, il laisse tout dehors. Deux enfants et il ne laisse rien dehors. Tu es sûre? Ah, ça là, c'est lui seul qui peut t'expliquer ça. Dès. Moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Après tant d'années passées ensemble, moi, à mon âge, là, avoir une rivale. Eh! Maman, il y a quoi? Il y a quoi encore? Tu vas aller à Abidjan, mais tu vas rester chez qui? Mais maman, si j'ai la chance, je serai logé en cité. Oui, mais si tu n'as pas la chance, et même si tu as la chance, il te faut à tout prix un tuteur. Écoute, Banco, ta maman a raison. Il te faut forcément un tuteur. Attends, appelle Oncle Bagnetto. Je peux rester chez lui en attendant de trouver une chambre en cité. Je l'avais complètement oublié celui-là. Magneto. D'accord. Ok. On te laisse te reposer. Bien. Tu as vu, non? On nous a séparés. Mais c'est pas un problème. On gardera le contact. Non, mais la trop grande distance qui va nous séparer va beaucoup jouer. Toi aussi. Tu as raison, mais aie confiance en moi. Il y a trop de belles filles à Abidjan. C'est vrai, il y a de belles filles à Abidjan. Et toi, tu es unique. Bon, l'unique est fatiguée, elle va rentrer chez elle. Bien sûr, je t'accompagne. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est chez Zaïmon. Zaïmon? Non, il n'habite pas ici. Ah. Magneto Zaïmon, c'est pas ici. Ah, il faut dire monsieur Magneto, c'est ici qu'il habite. Ah. Non, Zaïmon, là, nous on ne connaît pas ça ici. Oh, c'est son petit nom du village. Ah, d'accord. Sinon, je suis sa soeur, je suis à San Pedro. Ah, c'est toi qui es à San Pedro là? Oui. Ah, d'accord, entrez. Merci. Allez. Venez, venez. Asseyez-vous là. Assieds-toi, assieds-toi. Bon, je vais l'appeler. D'accord. Chie, la maison est grande, d'un moment. Hé, hey, mon frère là, il a l'argent. Hey. Et puis ici là, c'est chez toi. Mets-toi à l'aise. Regarde tout ça là. Oui. C'est pour toi. Oui. Et puis si tu es venu ici là, c'est pour étudier. Oui. Donc si tu es dedans et puis ils font du bruit, oui. Prends tes effets et puis viens dehors pour étudier. Tu as compris, hein? Si tu veux t'étendre, ça là, tu enlèves. Tu mets ta natte et puis tu te couches. Le vent. La télévision, tout ça là. Tout ça là. Tu regardes. Tu as compris, hein? J'ai compris, mais là. C'est chez toi, oh. Bon, venez avec moi. Venez. Je comprends pas, hein. Quelquefois, nous-mêmes, nous donnons raison à nos maris pour nous faire des choses. C'est toi, Fatou, qui n'as rien compris. Moi, j'aime les enfants que mon mari a eu dehors. Mais je ne veux pas que cette femme vienne vivre sous le même toit que moi. Mais quel que soit où elle est, ou sous ton toit, ton mari la verra toujours. Faut bien accepter en même temps. Ils n'ont qu'à faire ça dehors, là-bas. Mais pas ici. Pourquoi? Même si on est deux dans la maison ici, elle va se lever pour aller chercher notre maîtresse dehors. Moi, je ne sais plus comment t'aider. Hein? D'accord. Moi, j'ai la solution. Ou je vous laisse la maison, ou je vais voir cette femme-là pour lui dire de laisser mon foyer tranquille. La personne est tranquille dans son coin et c'est toi qui vas aller la trouver là-bas pour la provoquer. C'est un cas, hein? Je ne te comprends plus. Hein? Depuis cette histoire-là,
Tu vois, tu as deux paroles, tu parles ici, tu parles là-bas, tu es devenu l'avocat de la maîtresse maintenant. Tu n'es jamais devenu chef de chantier comme ça. Rien n'avance et je te prends tous les jours. Entrez, entrez. C'est pas vrai ça? Il est là. Zemmo! C'est qui ça? Assieds-toi. Alors, tu cries mon nom comme ça, tu te colles dans la forêt? Hein? Quand même. Tu es responsable? Alors. Oh, c'est quoi ça? On ne s'assoit pas comme ça ici. Lève-toi! Va te mettre quelque part là-bas. Nom de Dieu, c'est pas vrai ça! Qui t'a appris ça? Bon, allez, passe ici. Passe ici! C'est qui ça? Comme mon fils a eu le bac, je voulais qu'il reste chez toi pour aller à l'école. C'est lui? Oui, oui, c'est lui dont je t'avais parlé la semaine. Allez, ton chapeau! Alors, il a eu le bac et tu veux qu'il reste ici? Oui. Donc, tu prends ma maison pour un campus. Hein? Les bacheliers d'une place, c'est au campus. Il y a de la place là-bas pour tout le monde. Et tout le monde ici. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de place. Tu le sais très bien. Hein? Alors comme ça, tu envoies des bacheliers chez moi, ils vont s'asseoir là. Hey, yao! Yao! Oui, patron. Manito, pardon, tu ne vas pas me faire ça. Ça suffit, hein? Oui, patron. Attends, attends là. Pas possible. Tu vas accompagner ces individus là tout de suite. Toi aussi. C'est sur toi seul que je compte ici. Oh oui, faut compter sur moi. Vous croyez que c'est comme ça, quoi? Trop facile ça. Tiens, allez. Votre taxi. Allez, allez. Yao. Oui. Allez. Madame, venez. Pas possible. Dégage là. Venez, venez, venez. Ramasse-moi tes machines là. Pas possible. On ne peut même pas laisser tranquille un moment. Martine, je trouve que papa et maman sont un peu trop bizarres ces temps-ci. Fortuné. Je l'ai remarqué aussi. Ah, tu vois? Mais bon, comme ils n'aiment pas se confier à nous, on observe. Mais papa, je le connais. Je suis sûr que ce type-là, il a un gros problème d'argent. Mais comme il est tellement orgueilleux, il ne veut pas nous en demander. Fortuné. Moi, je pense plutôt qu'avec leur âge avancé, ils commencent à se sentir seuls. Donc, je crois qu'on doit leur faire rapidement de petits enfants. Tu ne crois pas? Peut-être que tu as raison. Hein? Oui, j'ai raison. C'est ce qui leur manque. Qu'est-ce que tu attends? Bon Dieu, mais commence! Tu es équipé pour. Mais ça fait 5 ans que tu es dans ce foyer-là. Mais jusqu'à présent, rien. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi-même? Ah. Toi aussi, tu peux commencer. Tu es plus équipé que moi. Bon. Voilà ce que je te propose. On va commencer ce travail. Mais on va le faire concomitamment. De sorte à produire des résultats pratiquement à la même période. D'accord? Pour cela, dis à ton mari de ne pas dormir. Il dort trop. Fortuné. Ah. À toi non plus, il ne faut pas dormir. Moi, à l'autre, je suis levé. Madame, vous revenez. Moi, plus jamais dans cette maison. Ici, là. Ah. Patron, vous a chassé. Toi, quel est ton problème, même? On quitte là. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Patron a chassé sa propre soeur. Yo. On appelle ça une casquette. J'ai mis dans le sac, je vais porter après. Mais on va où même? Depuis là, on tourne en rond. Je ne sais même pas où on va. Pourquoi tonton a refusé que je reste chez lui-même? Ah! Il est méchant, c'est tout. Lui là. Mais attends, c'est ton frère, non? Même père, même mère. Maintenant, je vais rester où pour aller à l'école? Tu n'as pas d'autres parents ici. Allons chez ma sœur Fatou. Allons, allons. Je sais qu'elle va. Vraiment, je ne peux pas. Je suis dans un studio et je me débrouille pour travailler. Mon fils est aussi ton fils. Je sais, ça me fait très mal. Mais la maison est petite.
Tu l'envoies pas chez Magneto. Et on vient de là-bas, il a refusé. Hein? Il a refusé. Magneto a refusé. Quand je te parle de lui là, tu as vu toi-même, non? Tu as vu, non? Il a refusé de prendre moi-même mon fils. Heureusement que son père est venu le chercher. Donc en un mot, tu ne veux pas? Je peux pas. D'accord. Mais je peux avoir au moins quelque chose pour partir. Hey. C'est dur. C'est l'argent, j'attends comme ça. Mais à moi, je vais voir. Ce que j'aurai, je vais te donner. Voilà. Voilà 1000 francs. Bon. On s'en va. Bébé, allez-y. Au revoir. J'ai un voisin de classe qui était avec nous à San Pedro. Maintenant, il travaille ici. Il m'a même donné son numéro. Attends, je vais voir si je l'ai ici. Hein? Tiens, voilà. Voilà son numéro. On va l'appeler pour voir. Hein? On va l'appeler. Il doit avoir une cabine devant là-bas. D'accord, allons le voir. Toi! Je vais te parler. D'accord, maman. Je suis là. J'ai dit où? Ton mari et toi, là, quand est-ce que vous allez nous faire de petits-enfants? Ah, maman. Je savais que c'est ce qui vous manquait. Tu savais comment? Ah, mais maman, nous, on est au courant de tout. Papa et toi, vous ne cessez de vous disputer tout le temps ici. Oh, faut laisser ton papa, tu ne nous connais pas. C'est parce que justement, il n'y a pas de petits-enfants à la maison. Quand on fait de temps en temps des discussions, je crois que c'est pour nous détendre. Ah, maman, de toutes les façons, nous-mêmes, on a pensé à cela. On va vous faire des petits-fils. Et ils vont vous permettre de passer la journée dans la gaieté. Quand une femme parle comme ça, c'est que ça y est en route. Ah, maman. C'est bien, ma fille. Fatou. Oui. Béa est venue ici. Justement. Pourquoi tu as refusé de prendre son enfant avec toi? Ah bon? Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Dans mon petit studio là. Ah, ah toi aussi. En tout cas, moi je n'ai pas les moyens de m'occuper de quelqu'un. Hein? Magneto. Magneto, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oh, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Hein? Laisse-moi dehors de ça. Voilà une surprise. Bonne arrivée. Merci. Entrez, ne restez pas là. Venez. Merci. Bonne arrivée. Mon Dieu. Magneto, vraiment, excuse-moi, je sais que tu n'as pas notre temps. Et je voudrais avoir une dernière discussion avec toi. Jamie, tu me fatigues. Je suis fatigué avec tes histoires qui n'en finissent pas, Jamie. Je suis fatigué. Magneto. Oh. Pardon. Je ne veux même pas faire d'histoire aujourd'hui. Je veux savoir ce que tu as finalement décidé, c'est tout. C'est toi. Yemi. Oui. Je te le dis pour la dernière fois. Et retiens-le pour de bon. J'ai décidé que tu restes ici, chez toi. Pour toujours. Ah bon? L'argent, je vais t'en donner. Tu vas t'occuper de tes enfants. D'accord. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Magneto. Écoute-moi bien. Moi, je pense que le jeu a assez duré. Tu me comprends? Mes enfants et moi, on n'a plus besoin de toi. Ah! Oui. Ton argent même, on n'en a plus besoin. Et dès que tu franchis le seuil de cette porte-là, tu considères que c'est terminé. Tu n'as plus d'enfants ici. Ah! Oui. Et là, là, la voie est libre. Tu peux partir. Jamie. Magneto, va-t'en. Tu sais quoi? Non. Je m'en fous. Ah bon. Je m'en fous! D'accord. Je m'en fous. Magneto, okay. Sors d'ici. Tu sais ce que tu es en train de faire? Uh-huh. Tu es en train de me tirer une épine du pied. Ouais, c'est tes ça. Tes enfants, je n'en ai rien à foutre. Ah bon? Tes pingouins, je m'en fous de ça. Ah, mais je n'en ai rien à faire. D'accord. Alors. C'est parce que tu es pingouin que mes enfants sont des pingouins. Tes enfants sont des pingouins. Ah bon? Je m'en fous. Alors, tu es un pingouin et puis tu
les Pengoué, mes enfants. Pengoué toi-même. Je salue tes parents sans Pedro. D'accord. Je ne manquerai pas de leur dire. Ok. Bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, ton fils est dans de très bonnes mains. Sois tranquille. Hein? Vraiment, merci beaucoup. Non, pas merci, de quoi, madame. Pas de quoi. Bon, on va te laisser ici. D'accord. Hein? Ton fils va t'accompagner un peu. Okay. Tu fais un très bon voyage. Merci. Et à très bientôt. Merci. Petit. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Banco. Faut pas durer. Hein? Vraiment, bébé, mon propre frère a refusé de t'héberger et c'est un simple voisin de classe qui a accepté de te garder. Il faut bien travailler à l'école pour lui faire plaisir. Comme ça, moi, ta mère, je serai heureuse. Et puis surtout, sa femme. Il faut la respecter. D'accord. C'est compris, maman. Mais quand on est arrivé de la maison du tonton, là, tu as regardé bizarrement sa femme. Tu la connaissais? Non, je ne la connais pas. Mais franchement, vieille, quand je l'ai vue, là, il y a un de ces frissons qui m'a traversé le corps. Vraiment, je ne sais pas. On dirait qu'elle est... Bon, pardon, il faut laisser ça. Laisse, c'est bon. Tu as raison. Mais tu veux pas que je t'accompagne jusqu'à la gare? Non, ça va, je peux aller seule. Mais surtout, travaille bien à l'école. Pardon. J'ai compris, maman. J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Pour toi, je vais toujours me battre. D'accord. Ok. Bon? Ok. Au revoir, bébé. Au revoir, maman. Mon petit cœur. Pardonne-moi si depuis notre séparation, c'est maintenant que je t'écris. C'est parce que j'ai rencontré quelques difficultés. Mon oncle a refusé de m'héberger. C'est un ami de maman qui a accepté de me prendre avec lui. Chez nous, les cours ont déjà commencé. Pour ma mère et pour toi, j'ai décidé de me donner à fond pour réussir. J'espère que tu en feras autant. Je t'aime. Et j'ai hâte que les vacances arrivent pour qu'on se voie. Je t'embrasse très fort, mon ange. Bonjour, maman. Bonjour. Regarde comme tu es jolie. Maman. Mais tu es venue, je n'ai même pas fini de faire la cuisine. Maman, dans ce cas, je vais partir et puis revenir après. Non, attends. D'accord. Oh, c'est joli, tu es belle. Oh. Ça te fatigue pas, hein? Non, maman, ça va. D'accord. Je vais faire la cuisine très vite et puis on va causer. D'accord. Tristan, tu ne manges pas? Ça fait près de 4 heures du temps que tu es assis là à étudier. Si, je vais manger, tonton. Mais je dois d'abord finir ce que je suis en train de faire. Ah, mais à ce rythme-là, tu risques de tomber malade. Hein? Tu travailles trop. J'ai promis à maman de travailler pour avoir des diplômes. Je suis fier de toi, tu sais. Si j'ai la force de travailler, c'est surtout grâce à vous. Hein? Voilà. Bon, je vais te laisser étudier. Mais sache que je t'attends aussi pour manger. Dans ce cas, on va manger. Je vais non, 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 non. Prends tout ton temps pour étudier. Quand tu auras fini, on va manger. Non, tout le temps, on va non, manger. Non. Je... Fini, on mangera après. Hein? D'accord, tonton. Dadouma. Oui. Viens. J'arrive. Tu fais quoi là-bas même? Je fais la cuisine. N'a rien remarqué. Non, suis-moi. Où suis-je là? Ah,
Tu as porté ta chemise rouge. Oh, c'est pas de ça que je parle. Non, tu es à la maison ici avec moi là. Tu ne remarques pas? Non, j'ai remarqué. Tu n'as pas. Mais fallait aller chez le coiffeur. Oh, vraiment, toi, c'est pas la peine. Tu me connais. Je suis quelqu'un qui bouge. Et puis depuis près d'une semaine, je suis couru à la maison ici. Ça te dit rien. Et tu ne demandes même pas. Tu parles des cheveux, chemise, tu sais quoi ça? Je suis malade. Hein? Je suis malade, ça se voit pas? Aïe! Tu es malade et puis tu es assis comme ça là. Je suis malade? Bon. D'accord. Bon, ça va, allez. Tendez-moi. Oui! Viens. Tu n'es pas fini dans la cuisine. Ta fille est venue, hein? Elle est dans la cuisine. D'accord, je la vois après. Oui. Yeri, tu n'as rien remarqué? Non. Tu sais quoi, Yeri? Tu n'as rien remarqué sur moi? Oui, je suis assis là. Tu vois pas? Tu as porté ta chemise rouge. Oh, je parle pas de ça. Ah, j'ai trouvé. Mais il faut aller chez le coiffeur. Oh, vraiment, toi, c'est pas la peine. Tu me connais. Je suis quelqu'un qui bouge. Et puis depuis près d'une semaine, je suis couru à la maison. Ça te dit rien. Et tu ne demandes même pas. Tu parles des cheveux, chemise, tu sais quoi ça. Je suis malade. Ah? Tu es malade comme ça? Ah, donc, ça ne se voit pas. Ah, tu voulais me voir agonie d'abord, quoi? Je suis malade. Bon, ça va. C'est bon. Bonne guérison. Oui, d'accord. Va te trouver ta fille. Va rejoindre ta fille. C'est bon parce que les gens sont malades. Oui, maman. Oui, maman. Tu sais, Maman, ton père n'est pas venu ici aujourd'hui. Non, maman. Il y a quelque chose. Il n'y a rien. Mais tu sais, de temps en temps, j'ai envie de le voir. Mais t'as son numéro, non? Vous l'appelez. Mais je vais l'appeler pour toi. Non. Ma fille, ton père vous a renié. Mon père nous a renié? Oui. Non, maman dit que c'est faux. Papa ne peut pas nous renier. On a fait quoi? C'est parce que je ne peux pas tout te dire, ma fille. Non, maman dit que c'est faux. Papa ne peut pas nous traiter de pingouins. Ah! Un père ne peut jamais traiter son enfant de pingouins. Maman dit que c'est faux. Non, je ne crois pas ça. Moi, je m'avais appelé mon papa. Va l'appeler. Ah, moi, toi aussi. Mon père dit que c'est faux. Il m'avait appelé mon papa. Bonjour maman. Hey, ma fille, bonne arrivée. Merci maman. Mais tu devais être à Dalwa. Eh hey, maman, c'est les vacances. Et Stéphane? Il n'est pas venu. Non. Ah, moi je pensais qu'il était déjà ici. Non, il n'est pas venu. Attends, je vais envoyer une chaise à t'asseoir. Mireille! Non maman, c'est bon pour moi. Ah, comme il n'est pas là, tu refuses de t'asseoir. Non, c'est pas ça. Je vais revenir. Bon. Mmh. Bon, à tout à l'heure. Au revoir, chérie. Mais tu sais, chérie, ce premier fils-là, il n'est pas tout à fait à nous, hein? Comment ça? Non, ben, simplement parce que ma soeur et moi, nous avons promis à nos parents de leur donner nos enfants pour meubler leur cellule. Ils sont vieux et... Mais attends, chérie. Avant de prendre une décision pareille, tu ne peux m'en parler. Cet enfant n'est pas à toi seul. Je sais, mais tu ne vas pas te mettre dans cet état. Hein? Je ne veux rien savoir. Chérie, mes parents la t'aiment beaucoup. Hein? Faut plus vont m'aimer. Mais attends, voyons. Ma tante, je peux te parler? Bien sûr, mon fils. Je voudrais vous demander la permission. Comme c'est les vacances, j'aimerais aller voir ma mère à San Pedro. C'est vrai que c'est déjà les vacances. Ouais. C'est normal que tu ailles voir tes parents. Mais j'espère que tu ne vas pas pour durer là-bas. Non, je ne vais pas durer. C'est juste là. Voilà, puis je reviens. Ok. Je vais le dire à tonton. Merci, tanti. Merci. Et votre affaire d'enfant de ton mari là? Ma chère, il n'en parle plus haut. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avoue que je ne comprends pas mon propre frère. Nous autres, nos enfants là, il peut les refuser. Mais ses propres enfants.
Tu es témoin, hein? On ne dirait pas que c'est sa femme qui ne veut pas voir ses enfants. Quand j'y réfléchis là, je comprends son plan. Mmh. Il ne voulait pas d'enfants. Il a fait croire que ces enfants-là ne peuvent pas venir ici sans leur maman. Je le comprends. Peut-être que ces enfants ne sont pas ses enfants aussi. Qui t'a dit? Ce sont ses propres enfants. Mmh. Est-ce que tu as vu le petit garçon? Ah, c'est la photo de mon frère, complet. Ah, tu les connais? Mmh. Je les ai vus. Mmh. Mmh. Ok, ma belle, mmh. Je te laisse là. Ah. D'accord. C'est qui ça? Je n'aime pas ça. C'est qui ça? Coucou! Comment tu vas? Je suis contente. Ma puce. Oh, vite, assois, viens. On dit quoi? J'ai dit au baguette. J'aimerais que tu me donnes quelque chose. Mmh. J'espère que ce n'est pas pour me mettre sur les nerfs. Pas du tout. Je t'écoute. J'ai dit, ta fille que tu as eu avec ça, tu sais au moins ce qu'elle est devenue. Voilà, voilà, voilà. Non, je n'ai pas envie de le savoir. Elle doit être une grande femme maintenant. Ça non plus, je n'ai pas envie de le savoir. C'est tout. Mais toi, tu as quelque chose d'elle. Je suis contente. Je suis très content moi aussi. Et tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Ça va Abidjan? Très 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 bien, ça va très bien Abidjan. Et toi, Adaloa, ça va? Oh, j'ai bossé dur pour toi. Ah bon? Mm-hmm. Moi aussi je me bats dur pour toi et pour ma mère. Donc ça veut dire que ton année s'est bien passée. Très 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 bien. Oh, je suis heureuse, je suis contente. Je suis contente moi aussi. Donc tu es là pour combien de temps? Pour toutes les vacances. Toutes les vacances. Ça, on a tout le temps, tu vois. Oh. Ça va, Alphonse? Oui, ça va. Tu sais quoi? Non. J'ai reçu toutes tes lettres. J'ai reçu les tiennes aussi. Je suis contente. Bonjour madame. Bonjour. Ce monsieur là, on dirait que je le connais. Monsieur. Oui. Attends, attends, attends. Ce visage-là me dit beaucoup. Banco? Oui, c'est Banco. Attends. Attends, attends, tiens. C'est Tante Fatou? Oui. Ah! Ah, mon fils. Mais Tante Fatou, comment allez-vous? Je vais très bien. Oh là là, mais attends, c'est vous que j'avais dépassé tout à l'heure là. Tu travailles ici? Oh non, je viens juste de sortir du restaurant. Je viens de prendre mon déjeuner. Sinon, mon lieu de travail n'est pas très loin d'ici. Il y a un grand immeuble là que tu as dû dépasser en route. Oui, oui. Voilà, c'est là que je travaille. Mmh. Ça va chez vous? Mmh. Ça fait longtemps. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ah. Et ta maman, ma soeur, elle va bien? Oui, 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 elle est là. Elle est là, maman. Elle se porte très, très, très bien. Banco! Hey, doucement, doucement, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Martine a accouché. Quoi? Elle a fait son troisième bébé. Ma fille? Elle a eu au moins un gros bébé. Elle a eu au moins un gros bébé. Maïto, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas.
Aïe. On dirait que je ne me sens pas bien du tout. Aïe. Mais. Aïe. Oh. Aïe. Ah. Aïe. C'est quoi ça? Oh. Oh. Je vais te laisser. Ok. On fait comme ça? Ok. Bon, excusez-moi. Hein. Voilà, voilà. Tenez quelque chose pour vous. Hein? Et puis, voilà. Attendez que je vous donne ma carte de visite. Comme ça, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Allez, au revoir. Hey. Mon fils, là, il est devenu grandi. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils grandissent vite. De... Oui, madame. Ah, parce que est malade. On a qu'à la voir à l'hôpital. Oui. J'ai appelé Fortuné. Doucement, doucement, doucement. Doucement, hein. Madame, venez ouvrir. Oh, mais toi, hein. Bonjour, docteur. C'est vous les parents du malade? Oui, oui. Je suis sa femme. Ah. Il a repris connaissance. Ah, merci. Merci, docteur. Mais il faudra que je vous dise la vérité. Votre père est très malade. Oui, mais docteur, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est vraiment malade. Il est très malade, mais il faudrait que vous soyez très fort mentalement et financièrement. Ah bon? Sinon, c'est pas possible. Ah. On dit d'être fort mentalement et financièrement. C'est pour toi. Mais, maman! Il n'a pas ouvert les yeux. Il n'a même pas bougé. Tanti Fatou, est-ce que je peux te parler une minute? Pardon, il va falloir que tu nous aides. Mais c'est vrai qu'on n'a plus rien. Tout ce qu'on a prévu là, tout est fini. On n'a plus d'argent. Et puis, regarde. Regarde. Regarde, Didi. Ne t'en fais pas. J'ai déjà mis de côté quelque chose pour vous aider. Hein? Merci. Merci, Tanti. Hein, Tanti Fatou. Non, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Vraiment. Et votre maman? Hein? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Hein? Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Depuis que votre papa est ici là, je ne l'ai jamais vu. Mais, si quelque chose arrive à mon frère, Magneto est malade. On a dépensé toutes nos économies. Il n'y a plus rien. C'est décidé. Je vais le quitter. Et avec mes enfants.
Madame. Madame. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as effrayé là. Comme j'ai fini, je voudrais passer à l'hôpital pour voir patron quoi. Et qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça là? Je suis en train de parler. Non. Enlève tes deux mains là sur mon fauteuil. Ah, excusez. Oui, tu disais quoi? Reprends. Je dis comme j'ai fini, je vais aller voir patron à l'hôpital quoi. Ah, tu veux aller voir patron à l'hôpital? Oui. D'accord, ok. C'est gentil. Tu lui dis, je lui fais un gros bisou. Mm-hmm. Et prompt rétablissement. D'accord, merci madame. Ça, c'est quelle maison ça? Tout le monde est mauvais ici. Ton mari est malade. Il est couché à l'hôpital. Tu ne vas pas le voir. Tu as attaché ta tête, puis tu es assis dans la maison là. J'ai touché le fauteuil là simplement. Allez, ta main! Chier! C'est bien fait pour monsieur aussi. Il est trop mauvais. Avant, il a chassé sa propre petite soeur ici. La femme est partie en pleurant. Tout ça, c'est bon. Voilà, petite soeur. Je suis venu te voir parce qu'il faut qu'on se serre les coudes par rapport à la santé de papa. Alors, si tu as un peu d'argent... Fortuné, tu sais que je suis licenciée. Mais ne t'en fais pas. Mon mari a prévu quelque chose pour les soins de papa. Merci, petite sœur. Merci beaucoup. Attends, excuse-moi. Ah, mais c'est maman. Oui, allô? Allô? Oui? Maman, oui. Allô? Oui. Allô, maman? Non, parle un peu plus fort, je ne t'entends pas bien. Oui, 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 oui. Oui, oui. Là, je t'entends. Oh, oui, tu veux me voir? Et c'est urgent. D'accord, maman. Oui, oui, oui. J'arrive tout de suite, maman. Voilà, je suis là, maman. Mais attends, franchement, qu'est-ce qu'il y a de si urgent qui ne peut pas attendre? Assieds-toi. Je suis assis, maman. Mon fils, arrête de te saigner pour ton père. Il ne le mérite pas, il n'en vaut pas la peine. Quoi? Je sais qu'il ne va pas s'en sortir. Mais pourquoi tu dis ça, maman? Tu sais, nous n'avons plus rien. Il n'a plus rien, je n'ai plus rien. Et si toi, tu dépenses tout ton argent, comment allons-nous vivre? Attends, maman, je ne te comprends pas. Non, mais attention, tu parles de papa, là. Tu parles de mon père. Mon fils, ton père ne mérite pas cela. J'ai trop souffert dans cette maison. J'ai souffert en secret. Il y a des choses que je n'ai pas voulu vous dire. Quoi? Quoi? Mais parle, maman. Magneto. Oui, papa. Papa. Magneto quoi? Papa quoi? Il n'est pas ton vrai père. Quoi? Maman, revenons sur terre. Papa est actuellement très malade. Il est à l'article de la mort. J'estime que ce n'est pas le moment de jouer à ce jeu. Non. Mon fils. Ton père et moi, quand nous nous rencontrions, tu avais un an et demi. C'est faux, maman, c'est faux. Magneto est mon seul vrai père. Le seul qui m'aime et que j'aime également. Mon fils, je te dis la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité, maman? Magneto m'aimait tellement qu'il n'a pas hésité à te donner son nom. Tu portes son nom, mais tu n'es pas son fils. Je ne veux pas comprendre ça. Je ne veux pas, maman. Et mon vrai père,
dont tu parles tant. Où est-ce qu'il serait maintenant? Hein? Il ne bouge pas. Non, c'est rien. On va s'occuper de lui. Hein? Rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand je suis tombée enceinte, il n'a pas voulu reconnaître la grossesse. Et tu veux que j'abandonne donc mon père, celui qui m'a élevé, m'a aimé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour un aventurier, quelqu'un que je n'ai jamais connu. Non, maman, non. Je suis désolée, je ne peux pas te suivre dans cette mésaventure. Retenez. Magneto ne nous a pas fait du bien dans cette maison. Magneto me trompait tout le temps. Il a d'autres femmes dehors. Il a beaucoup d'enfants dehors qu'il reconnaît. Voilà la réalité que je vis dans cette maison. Ça va, ma puce? Ça va. Je souhaiterais faire venir maman ici. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, mes chéris, c'est une bonne chose. Tu sais, la vie est fatiguée. Et puis, je crois qu'il serait préférable de la faire venir. Comme ça, on pourra mieux s'occuper d'elle. Merci, mon petit cœur. Tu es vraiment une orange. Mais j'avais peur que tu refuses. Hein. Ah, mais pourquoi refuser? C'est grâce à qui tu es à moi aujourd'hui. Non, écoute, pour qui tu me prends là? Venant de ta part, ça ne m'étonne pas trop. Hein. Voilà. Seulement, j'hésite entre aller là-bas ou bien lui expédier de l'argent pour qu'elle vienne. Je crois qu'il faut lui expédier l'argent. D'accord. Voilà, écoute maman. On va faire l'économie des paroles et des émotions. Moi, fortuné, majeur et vacciné, donc adulte, je décrète en ce jour béni du Seigneur que Magneto est mon seul et vrai père. Un point, c'est tout. Ah bon? Oui. Et qu'en outre, je ne puis l'abandonner au moment où il est malade. Pour un aventurier que je n'ai jamais connu et qui ne m'a jamais aimé. Voilà ce que je dis. D'accord. Mais il va falloir choisir. Oh, maman, j'ai déjà choisi. C'est parce que j'ai choisi que je parle ainsi. Si tu insistes, si tu t'entêtes, je te maudis. De mieux en mieux, maman. Oui. Tu me maudis. Eh bien, maudis-moi. Maudis-moi. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il t'a fait, papa Magneto, pour que tu parles si mal de lui, pour que tu puisses être aussi méchante vis-à-vis de lui? Il t'a fait quoi? Mon fils, tu ne sais pas que je voulais le quitter depuis longtemps et que c'est à cause de vous que je suis dans cette maison en train de souffrir intérieurement? Bien. Alors maman, c'est moi qui te quitte aujourd'hui. Reviens ici! Je ne viens pas! Viens ici! J'ai repris le même tissu, oui. Un peu de vernis, puis voilà. Voilà le travail. Oui. Mais c'est pas tout, maman. Ah, assieds-toi. Mon gros bébé, mais tu as fait un travail formidable. Ah, merci, maman. Merci. Mais il dit que je voulais jeter ce vieux meuble. Non, maman, tu pouvais pas. Ça, c'est un souvenir, on peut pas vrai, jeter. C'est vrai. C'est vraiment beau. Maman, faut laisser. Laisse ça faire de fauteuil, travail, tout ça. J'ai fait maintenant. Hein? Tu as un creux. Oui. Bon, je passe à la cuisine tout à l'heure. Ah, oui, moi aussi, j'ai fait. Patko, tu es une grande fille maintenant. Si tu as fait, tu rentres à la cuisine. Donc, maman, d'arrêter de travailler pour t'aider à la cuisine. Voilà. Si tu arrêtes de travailler, on fait comment pour boucler les feux du mois ici? Voilà, mon amour. Je ne te parle pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Non, il n'a pas quitté là. Fortuné. Aïe. Parce
Assieds-toi. Bon, je préfère rester debout, ça va. Fortuné, s'il te plaît, faut t'asseoir. Qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Maman t'a dit quoi? Maman m'a dit. Maman m'a dit. Fortuné, bon, qu'est-ce que maman t'a dit? Attends, papa est mort. Non. C'est ton petit frère, tu peux parler. Je sors avec quelqu'un depuis quelque temps. Et il souhaite que je vienne habiter avec lui. Oui. Patricia, toi tu sors avec quelqu'un et puis depuis elle ne l'envoie pas ici pour nous les présenter. Toi, il y a quoi? Ton problème est où? Mais c'est ta grande soeur. C'est pas parce que tu as une bave que tu as mis pas de conseil. Quand tu as l'île de go, c'est moi je ne l'ai pas. Moi, elle vient à la maison. Je ne l'ai pas. Je ne confronte pas les gens. Je ne l'ai pas. Tu sors avec quelqu'un, tu ne peux pas. Je ne suis pas ta camarade. Tu as vu non? Je ne suis pas ça, tu as vu non? Maman, celui-là. Quand il y a quelque chose, quand tu ne parles pas, je n'aime pas ça. À chaque fois que tu me fais les reproches, c'est bon, Yann, tu parles. S'il te plaît, ne te fâche pas. Mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Hein? S'il te plaît, il ne faut pas te fâcher. C'est ton petit frère. Si tu sois quelqu'un, viens nous le présenter. Tu veux que l'histoire se répète ou quoi? Ton père vous a abandonné. J'ai été obligée de vous élever toute seule. Viens le présenter à la maison. Tu as compris? Maman, tu as raison. Ne se fâche pas. Pas coco. Martine, maman m'a dit que papa n'est pas mon vrai père. Quoi? Attends, elle a perdu la raison ou quoi? C'est ce qu'elle m'a dit. Mais pire, elle me demande d'arrêter de m'occuper d'un soin de papa. Martine, qu'est-ce que tu racontes là? La vérité, Martine. Et moi? Je suis la fille de qui? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Ah, tu es prête? Oui. Ok, bien les choses à ta copine. Je ne manquerai pas. Et surtout qu'elle se rétablisse vite. Hein? Oh, je crois que ça va mieux ces gènes aujourd'hui. Ah, ça va? Oui, oui. Ah, Dieu merci. Elle sort de l'hôpital aujourd'hui même. Ah, ok. C'est pour l'aider à prendre ses bagages qu'elle m'a demandé de venir. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Soif. Vraiment. Il fait tellement chaud. Le voyage s'est bien passé. Oui, très bien. Dieu merci. Et ici, ça va? Oui, ça va. Et ton mari? Il est allé à l'hôpital, mais il ne va plus tarder. Qui est malade? Non, c'est son patron, mais c'est rien de grave. Ah, d'accord. Sinon, ça va. Hein? Ça va. Maman, je suis contente de te voir comme ça. Moi aussi. Moi aussi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ton oncle Magneto. Mon oncle Magneto, il est malade? Il est très malade. Mais attends, où est-ce qu'il est? Je vais le voir. Il était dans le coma. Il vient de sortir depuis une semaine. Maintenant, il entend tout ce qu'on dit. Il demande à voir sa femme. Sa femme? Elle a disparu depuis qu'il est ici. Mais...
Et ses enfants? Je ne vois plus personne. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Et moi, je suis la fille de qui? Mais toi, tu es la vraie fille de Magneto. Tu es son sang. Son propre sang. Je dois moi aussi abandonner mon père, c'est ça? Bon, écoute, maman. Renie-moi si ça te fait plaisir. Renie-moi si ça peut te faire maigrir ou grossir. C'est pas mon problème. Moi, fortuné, mais je dis que Magneto, là, c'est mon père. Et que je ne peux pas l'abandonner. Voilà. Vraiment, faites ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Faites ce que vous voulez. Maman, on a déjà commencé. On ne va pas arrêter comme ça. On va terminer ce qu'on a commencé. Faites ce que vous voulez. Allons-y. Hey, Bongo! Ma tante, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je suis venu voir mon patron qui est malade. Et puis, il se trouve qu'il y a mon oncle Magneto qui est également hospitalisé ici. Ton oncle Magneto? Ah, je peux le voir. Tu sais, aujourd'hui, tu es notre enfant, hein? Donc tes parents sont aussi nos parents. C'est vrai, ça. Excuse-moi, ma tante. Je te présente la femme qui m'a hébergée pour poursuivre mes études. Enchantée, madame. Enchantée, madame. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Oh, de rien. Et je peux voir ton nom? Il n'y a pas de problème. Ma fille. Oui, maman. Ton mari, là, il met du temps à venir, hein? Moi-même, je ne sais même pas pourquoi elle a tardé comme ça. Bon, je vais aller me reposer. S'il vient, tu me réveilles. D'accord, maman. Bien que je te montre ta chambre. D'accord. Magneto. 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 Tu as de la visite. Sarah. Sarah. C'est Sita. Je m'appelle Sita. Sita. Mais tu ressembles beaucoup à Sarah. Oui. Ma mère s'appelait Sarah. Quoi? Tu as dit quoi? Ta mère s'appelle quoi? Sarah. Sarah quoi? Sarah Thio. Mon Dieu. Sarah Thio. Tu es la fille de Sarah Thio. Tu es ma fille. Reste couché. C'est ma fille. Reste couché. Reste papa? Tu es la fille de mon oncle? C'est ce que je constate. Banco. Banco. Oui, mon oncle. Banco. Oui. Mon neveu. Que dis-je? Mon fils, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas mourir. Pardon, je ne veux pas mourir, aide-moi. Fortuné, j'ai honte de vous. J'ai honte de... Vraiment, mon fils, votre père est malade. Bon, il est vrai que vous avez fait quelque chose au début. Mais et maintenant? Vous n'allez pas le laisser mourir? Ma tante, tu as honte? Tu es étonnée? Tout ça là, c'est bon. Mais moi, Fortuné, là, je veux te demander quelque chose. Et je veux une réponse claire et nette. Je t'écoute. Est-ce que c'est vrai que papa Magneto n'est pas mon vrai père? Qui t'a raconté des choses comme ça? C'est maman. Ça, ça ne m'étonne pas d'elle. Ça ne m'étonne pas. Je savais. Mon fils, c'est à toi de voir. Depuis que tu es né, qui t'a élevé?
Dis-moi qui t'a élevé. Attends, ma tante, pardon. La littérature qui t'a élevé, tout ça là, c'est trop compliqué pour moi. J'ai besoin d'être rassuré. Je dis, est-ce que oui ou non, papa Magneto est mon vrai père? J'ai besoin. Tiens, mon vrai père. Tu connais d'autres pères? Hein? C'est vrai que Magneto ne t'a pas conçu. Mais c'est lui. Mais c'est mon vrai père. Allô, poupée? Attention. Oh là 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 là, attention. Non, comment tu vas? Oh, ça va. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Maman arrivait se repose. Quoi? Maman est là? Maman est là. Elle t'a attendu jusqu'à elle est fatiguée. Ok, laisse-la se reposer. On va se voir tout à l'heure. D'accord. Bien, allô. Oui. C'est cette femme-là que je dois marier, Fisite. Ah bon? C'est ma tutrice. Mm-hmm. Elle et son mari n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'occuper de moi. Merci beaucoup. Merci. Oh, de rien. Et mieux, tout à l'heure, j'ai découvert à l'hôpital qu'elle était une parente. Une parente? Oui, elle est la fille de Oncle Magneto. Ah, ah, maman. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oh, mais je pense que c'était la volonté de Dieu qu'on se rencontre. Vraiment. Viens dans le salon. D'accord, je vous rejoins tout à l'heure. Je n'ai pas trop cherché pour retrouver là où tu te caches. Mais je ne me cache pas, je suis ici. Ah, je vis ici. Tu savais, hein, je disais que j'allais quitter ton frère. Non, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai jamais cru capable d'une chose pareille. Ah bon? Après tout ce que tu as dit à ton fils, il n'y a plus de considération pour toi. Eh, dis donc. Comment tu as pu lui dire que Magneto n'est pas son père? Mais c'est la vérité. Où est le mal? Tu es ignoble. Je suis ignoble. Ouais.